magie de Walt Disney en vidéocassette chez vous pour toujours. Dans la collection chef-d'œuvre, Merlin l'Enchanteur et l'étonnante histoire du jeune roi Arthur. Des personnages tout aussi fabuleux les uns que les autres, comme seul Walt Disney a su les inventer. Une éblouissante et pétillante aventure pleine d'humour, de magie et de sorcellerie. Vous voulez vous battre? Vous voulez vous battre en duel de sorcellerie? Merlin l'Enchanteur, un spectacle passionnant à partager avec toute la famille. Merlin! Dans la collection Grand Classique, le classique et le plus parfait des studios Walt Disney, Mary Poppins. Un film unique au monde débordant de charme, de fantaisie et de drôlerie. Un festival de chansons où le dessin animé et le réel se mélangent avec bonheur. Le film aux 5 Oscars qui a conquis tous les publics. Et surtout pas Julie Andrews et Dick Van Dyke dans ce film inoubliable. Roméo la coccinelle est de retour. Il est amoureux. D'accord, il le fait pour elle. Et ses ennuis ne vont que commencer. Écoute, allons-y. Cette fois-ci, Roméo se dirige vers Monte Carlo à la rencontre du bonheur et de la comédie. Un tout million d'aventures rocambolesques à travers l'Europe. Coccinelle à Monte Carlo. L'apprentie sorcière avec Angela Lansbury partait pour un voyage magique à travers les pages d'un livre d'images qui tourne au rythme d'un ballet fantastique. Vous allez découvrir une île enchantée gouvernée par un lion qui dirige une incroyable partie de football. L'apprentie sorcière. Dans la collection Star. Venez faire avec nous un bout de chemin dans le monde merveilleux de Walt Disney, dans les aventures de Mickey et Minnie. Montez à bord du bateau du courageux Mickey Mouse et de sa bien-aimée Minnie. Mettez les voiles avec eux dans un rocambolesque dessin animé où vous retrouverez tous les amis que vous adorez. Voilà Donald, Pluto et bien sûr Dingo. Ils ont invité de nouveaux amis, alors venez rejoindre cette joyeuse bande dans les nouvelles aventures de Mickey et Minnie. Et n'oubliez pas les toutes nouvelles aventures de Minnie l'ourson. Dans Minnie l'ourson et Coco Lapin, Minnie trouve des amis pour la vie.
Juste sous la garde de l'épée, on pouvait lire ces mots gravés dans l'acier. Celui qui pourra arracher cette épée de l'enclume scellée dans la pierre sera digne d'être roi, souverain maître de l'Angleterre. Beaucoup s'y efforcèrent, mais en vain. Ils ne purent même pas l'en faire bouger, et le miracle ne se produisit point. C'est pourquoi l'Angleterre demeura bien longtemps sans roi. Maintes années s'écoulèrent, tant et si bien que l'épée légendaire sombra dans l'oubli. En cet âge partiellement plongé dans une sorte d'obscurantisme, ni loi ni ordre social ne prévalaient. Les faibles étaient la proie des forts, et les hommes vivaient dans la crainte les uns des autres. Blanc, plus blanc, pour la reine, un départ, c'est ce qui fait.
soyez prudent en vous montrant intelligent. La franchise et la rue, c'est ce qui fait tout. Ça perd les popettes. Snick, snack, slambombe. Mais comment en es-tu gentil? Le gros Brochette m'avait presque avalé. Et Archimède, il est venu à mon secours. Oh, 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 merveilleux. Pour tous les hauts, il y a des bas. Pour chacun, mais il y a un haut. Pour un coup, il y a un long. C'est ce qui fait pour le rond. Attention à l'échelle. Et 1 et 2 et 3 et 4. Comment
opéré par Lucien. Ce garçon est notre roi. Sale homme. Par tous les diables. Comment s'appelle-t-il? Moustique. Oh, je veux dire Arthur. Vive le roi Arthur! L'Empire roi Arthur! Vive le roi Arthur! C'est inouï, je ne peux pas y croire. Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi. Oh, je vous en prie, Seigneur. Qu'est un genou devant ton roi? Et c'est ainsi qu'en s'étant reculé, le miracle eut lieu le jour du nouvel an. Et le règne glorieux du roi Arthur commença. Je ne peux pas être roi, Archimède. J'ignore tout à fait comment on dirige un état. Vive le roi Arthur! Vive le roi Arthur! T'as une autre issue! Là-bas! Là-bas, le pêche-moi, viens vite! Vive le roi Arthur! Vive le roi Arthur! Oh, on dirait qu'on est serré, petit. Ce n'est qu'une atroce pagaille à la casade. En tout cas, moi je suis dans le pétrin, je suis roi. Oh, eh ben. C'est comme la télévision, mais sans incident technique. Et encore là, tant mieux. Attends un peu avant d'éteindre la télévision. Ce n'est pas fini. Écoute bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Doucement, Tipou, tu sors de l'image. Attends, j'ai une belle surprise à annoncer. Rassure-toi, tes amis ne sont pas loin. Ils sont dans Winnie, ton magazine. C'est un journal qu'ils font exprès pour toi. Tous tes amis sont là. Porcinet, Petit Gourou, Maitrigou, Tigrou, Bourriquet. Chaque mois, ils te racontent leurs aventures en images. Et regarde. Oh, un masque de Winnie. Oui, dans Winnie, tu trouves aussi des jeux en carton différents chaque mois à monter toi-même. Tu verras, c'est facile et très amusant à faire. Et tu seras très fier de le montrer à tes amis. Tu aides Winnie à retrouver son chemin dans le labyrinthe. Tu découvres la vie des animaux. Tu ris avec Yawata et Petite Fleur. Il y a aussi de belles histoires à lire avec l'aide de tes parents. Et bien sûr, il y a de jolies chansons dans Winnie. Il y a encore des jeux, plein de jeux pour rire et t'amuser. Winnie, c'est vraiment ton magazine. Chose, tu vis avec ceux que tu aimes. Winnie et tous ses amis qui sont aussi tes copains. Retrouve-les dans Winnie le premier mercredi de chaque mois. Et n'oublie pas. Je veux être aussi putain et bien plus belle. Avoir la voix qui en sort seule. Et youp!